Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de la semaine à venir, la semaine du 23 au 29 décembre 2019. J'espère que vous allez tous bien, que la lumière est enfin revenue dans la plupart de vos vies. Cette semaine va être ponctuée par la fête de Noël. Et déjà, je tiens à vous présenter de façon très chaleureuse et sincère tous mes vœux pour Noël. Je vous souhaite un très bon Noël, que vous soyez accompagné de votre famille ou que vous soyez seul. Je sais ce que c'est que d'être seul, hein. Je sais ce que c'est aussi de ne pas fêter Noël. Ce n'est pas forcément une fête que j'apprécie, puisqu'elle est, voilà, elle est associée à plein de souvenirs qui sont plus ou moins douloureux, qui sont rattachés à un passé que je porte, mais je crois que c'est le lot de tout le monde. Donc que vous soyez seul ou que vous soyez accompagné le jour de Noël, peu importe, sachez que vous ne serez pas seul. D'une part, je suis là, je pense à vous. Même si un écran nous sépare, je pense quand même très fort à vous. Vous avez tout mon amour, tout mon soutien, et je vous souhaite vraiment de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, sincèrement. Puisse le Père Noël aussi être généreux avec vous. Et puis, parce que vous avez été sage, hein, enfin j'espère. Et puis parce qu'on mérite tous d'être aimés, on mérite tous d'avoir un petit cadeau. Donc même si vous êtes seul et s'il n'y a personne pour vous faire un cadeau, eh ben faites-vous un petit cadeau à vous-même. Voilà. Allez, sans plus tarder, je vous propose de passer au tirage. Allez, donc pour cette semaine, on va utiliser des jeux que vous connaissez tous maintenant pour la plupart. On va commencer avec l'oracle fantabuleux pour définir nos énergies maîtresses. Ah, j'ai oublié la petite rune. J'ai oublié la petite rune, disait Love. Crotte, 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 crotte. Alors attendez, attendez, ne bougez pas. Ne bougez pas, on va se le faire du coup en direct. Ah oui, je me disais aussi qu'il me manquait un truc. Je suis pas obligé de taper dans le bureau en même temps. Alors attendez, on va vite en placer une. Hop, on avait celle-ci. Attendez, celle-ci, elle semble vouloir sortir du paquet, donc on va la mettre de côté. Allez, on va prendre notre rune. Voilà, donc on a notre petite rune issue du petit oracle Is Love de Marie-Laure Coutens. On va travailler ensuite avec l'oracle l'ange de l'oracle l'absolu pardon de Ange de Gaïa et Gabriel Leroy pour définir notre énergie principale sur le tableau. On se fera comme d'habitude les quatre tableaux avec le carré fantabuleux, nos quatre petites prédictions avec le rond de cristal. On fera tirage amoureux et célibataire, enfin. Pardon, couple et célibataire pour donc célibataire à gauche et couple à droite. On utilisera à côté de ça une petite carte issue du portail des 12 de ma petite Alioske pour définir notre maison maîtresse de la semaine. Et puis, comme d'hab, on se fera les réponses aux questions fermées avec le petit oracle des merveilles, les pièces de fortune, notre petit rituel de la semaine avec le petit oracle grimoire de la belle Ève Corrigan et enfin les petites baguettes chinoises. Allez, vous êtes prêts? On y va, on commence. Non, j'ai pas besoin de ça tout de suite. On va déjà définir notre rune. Je vais regarder la rune qui voulait sortir du paquet. Alors, notre rune pour la semaine, c'est Kenaz qui nous parle ici de purification, de création et de magie. Ça, c'est super intéressant parce qu'on est en plein dans les énergies de Yule avec des nouveaux cycles qui vont se mettre en place, de nouvelles énergies lumineuses. On est sur des énergies de création, justement. Donc là, on est vraiment complètement dedans. Et la rune qui voulait sortir, qui est sortie du paquet, c'est Odin. C'est la rune Weird, hein. C'est la 25e rune qui ne fait pas toujours partie de tous les futarques. Qui nous parle ici du destin, de la fatalité, de la confiance totale. C'est-à-dire que cette semaine, il va vraiment falloir s'en remettre au destin, puisque les choses vont se mettre en place et on va être un petit peu comme ça soumis, j'ai envie de dire, mais c'est un peu péjoratif de dire ça. On va être pas soumis, comment je pourrais vous dire bah comme la météo, hein, quand vous avez la pluie qui tombe chez vous, bah vous pouvez rien faire à part rester chez vous, vous habiller quand vous sortez. Voilà, vous pouvez rien faire de spécial. Et bien là, ça va être le même principe. Il y a ces énergies qui arrivent cette semaine, qui vont être là, qui vont se mettre en place, et vous ne pourrez rien faire qu'être obligé de les traverser. Mais visiblement, ce sont des bonnes énergies. On va regarder avec le fantabuleux. Le fant
C'est marrant parce que je me suis pris cette carte qui est sur mon bureau pour pouvoir retourner les cartes sur mon bureau parce que comme c'est vitré, ça glisse. Donc on a la carte de l'oracle qui est sortie avec la tour et je viens de vous le dire en plus avec Weird et puis Kenaz, ça nous parle du destin et de la magie et là nous avons l'oracle. Donc ça nous parle à nouveau, on a ce côté magie mystique. Et j'ai envie de dire, c'est un petit peu logique puisqu'on a Noël en plein milieu de la semaine. Donc on va avoir cette magie qui va être présente, hein, même si que vous fêtiez ou pas Noël, la magie sera présente. Hein. On est aussi sur les énergies de Yule, sur la magie de Yule. On est sur la renaissance de la lumière. Donc forcément, ça nous parle ici de magie et il y aura des énergies magiques. Ces énergies magiques qui peuvent être très importantes parce que du coup, elles peuvent vous aider si vous voulez faire des rituels, si vous voulez faire des travaux magiques, si vous voulez mettre en place de nouvelles choses. Vous aurez une espèce de, comment on pourrait dire, de potentiel comme ça qui va être présent dans l'air et il y aura juste à le saisir ou à l'utiliser quand vous en aurez besoin. La tour ici, la tour ça peut nous parler de plein de choses, ça peut nous parler de l'isolement, de la solitude, peut-être que cette semaine vous serez face à quelque chose dont vous seul pouvez en maîtriser l'action. La tour peut aussi symboliser des bâtiments officiels. Hein. Peut-être que cette semaine, vous serez amené. Alors, c'est peu crédible vu qu'on est en période de fête. La plupart des administrations vont faire les ponts, vont fermer. Donc, on va avoir un ralentissement sur les administrations. Mais pourquoi pas, hein. Peut-être que cette semaine va être ponctuée par un rendez-vous officiel dans une administration particulière, un tribunal, un notaire, un avocat, que sais-je. Hein. On va voir ça. Mais pour moi, ça serait plutôt positif parce que ça me parlerait que vous avez la possibilité, vous avez le pouvoir de faire changer les choses et de pouvoir prendre cette magie là où elle est, hein, et afin de pouvoir l'utiliser, je veux pas dire comme bon vous semble, mais vous pourrez l'utiliser à votre avantage si vous êtes honnête, si vous êtes sincère, si vous êtes pur, alors la magie sera là pour vous aider. Si en revanche vous avez un cœur qui est lourd, qui est empli de méchanceté, eh bien croyez-moi que là la magie ne sera pas là pour vous servir, mais au contraire pour vous desservir et voire même vous punir. Donc attention cette semaine parce que la magie, hein, je vous le redis, la magie n'est ni blanche ni noire. La magie réagit en fonction de ce que vous vous en faites. Si vous êtes en phase avec les énergies, si vous êtes sincère, si vous êtes honnête, alors vous récolterez des fruits importants de votre labeur. Si en revanche vous avez un karma un peu dégueulasse, ça va faire mal quand il va frapper. Allez, on y va tout de suite. On passe d'abord, d'abord avec la maison, hein. Donc c'est la maison 8 ici qui nous parle de sexualité, d'héritage et de transformation. Là, je pense que le mot principal qu'il faut retenir, c'est l'aspect de transformation. Parce que la transformation, ça résume tout. Hein. La transformation, c'est aussi l'évolution, mais plus que l'évolution, on nous parle ici de transformation, donc de choses qui vont se transformer, qui vont changer de façon radicale. Hein. Quand on parle de transformation, c'est vraiment quelque chose de spectaculaire. Hein. Si par exemple vous faites un look et puis qu'on va employer le mot transformer, que vous êtes transformé, c'est que vraiment vous êtes spectaculaire et vous êtes méconnaissable. Hein. C'est valable pour les personnes par exemple qui changent de genre. Un transformiste, un professionnel qui va se transformer pour incarner quelqu'un afin qu'on ne puisse pas du tout le reconnaître, hein. Donc ici, là, cette semaine, on est vraiment sur ces énergies de transformation. On est sur des énergies très fortes, mes amis, cette semaine. Vraiment, on est sur des énergies puissantes. On va voir tout de suite avec l'oracle l'absolu. Alors, c'est la carte 49. La carte 49, elle nous parle ici d'ombre, de discernement, d'incompréhension et d'aveuglement. Donc peut-être que cette semaine, hein, ça va nous parler ici, peut-être qu'on va un petit peu abuser notre sens de vision ou de perception et par conséquent, on va avoir peut-être du mal à discerner ce qui est bon, ce qui est mauvais ou peut-être que on va avoir une tendance comme ça à vivre dans un monde qui est un peu illusoire, ou se bercer d'illusions, ou alors une déconnexion avec la réalité. Hein. On a un petit peu comment on pourrait dire, je trouve pas mes mots, hein, voilà, on va pas épiloguer. Alors, pour les ombres, on va avoir le pentacle. Ça, c'est intéressant parce que le pentacle, c'est vraiment le symbole de la protection. C'est aussi le symbole de la magie, de l'ésotérisme. Ça sert strictement à rien, en fait, cette carte. Elle m'aide pas du tout à retourner mes autres cartes. Allez hop. Tu m'as énervé, je te mets là, je te parle plus. Alors, donc pour le mot des ombres, comme je viens de vous le dire, on va avoir le pentacle, on a le ballon, on a la paix et on a les chemins qui se séparent.
Donc là, très clairement, cette semaine, ça peut nous parler d'une force obscure, d'une énergie sombre, mais c'est logique encore, hein, parce que rappelez-vous ce que je vous avais dit par rapport à Yule, le tirage que je vous avais fait, c'était les énergies du week-end. Les énergies du week-end, comme Yule était en plein dedans. On avait comme ça deux énergies qui s'opposaient, c'est-à-dire j'avais tiré la carte de l'archange et de Samaël, donc on avait vraiment la partie lumineuse et la partie ténèbres, on avait la sexualité et le spirituel, donc quelque chose qui est en rapport avec le physique, le charnel, avec quelque chose qui est plus spirituel, mental et psychique, et on avait l'esprit avec la mère, donc en gros la mort face à la naissance, on avait vraiment ces deux énergies extrêmement fortes qui s'opposaient. C'est logique qu'on soit encore un peu dans ces énergies sombres, hein, parce que certes, on vient de fêter Yule, donc c'est la renaissance de la lumière, donc ce qui voulait dire que le solstice d'hiver se marquait par la nuit la plus longue. Le 21 décembre, c'était la nuit la plus longue. Mais on n'est pas encore tiré d'affaire dans le sens où le soleil, il va regagner un petit peu des minutes tous les jours, mais ça ne veut pas dire qu'il fait à nouveau jour à 11h du soir hein, à partir d'aujourd'hui. Non, 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 il va falloir un petit peu de temps. Donc automatiquement, on a encore un petit peu ces énergies un peu sombres, un peu négatives qui tournent comme ça autour de nous. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le Pentacle qui nous parle ici de protection. Ça peut aussi nous parler de magie, d'ésotérisme. Peut-être que cette semaine, vous serez amené à faire des travaux magiques, pourquoi pas. Ça peut aussi nous dire ici que vous êtes protégé, que vous êtes gardé. Hein. Peut-être que vous avez un familier autour de vous. Ça peut être un esprit gardien. Ça peut être un membre de votre famille, un guide, un ange, n'importe quoi, n'importe qui. Hein. Mais voilà, vous êtes protégé. La carte du ballon, bien évidemment, ici nous parle de mouvement, de choses qui vont bouger. Hein. Cette semaine, on est encore sur ces énergies qui bouge et c'est logique puisque rappelez-vous le tirage de la semaine dernière, on avait les énergies de mouvement, donc on voit qu'on a à nouveau cette cohérence qui ressort dans le tirage et cette continuité pour nous dire que on est dans cette période de mouvement, on est dans cette période de mutation et de transformation. Bien évidemment, on mute et on transforme vers quoi? Eh bien, pour aspirer justement vers de la paix, vers de l'harmonie, vers du calme. Et on va arriver petit à petit. Hein. C'est le travail qu'on fait et qu'on va faire avec le temps. On va arriver. Et cette semaine, peut-être qu'il y a déjà deux, trois éléments qui vont se mettre en place, qui vont permettre d'harmoniser un petit peu les choses ou, comment on pourrait dire, placer un petit peu les prémices d'une paix, d'une tranquillité. La route qui se sépare, eh bien, facile à interpréter, j'ai envie de vous dire, les routes qui se séparent, ça peut être des choix hein, qu'on va avoir cette semaine. Peut-être qu'on va nous demander de choisir une route ou une autre, ou peut-être que cette semaine nous arrivons à un carrefour important de notre vie, ou à une étape de notre vie, et qu'on va nous demander de choisir et voilà, de s'engager dans une voie. Alors une voie, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être une voie professionnelle, une voie spirituelle, pourquoi pas, on a le Pentacle, donc ça nous parle de magie, pourquoi pas, hein. Donc ça peut être une voie spirituelle, ça peut être, pourquoi pas, une orientation sexuelle, après tout, regardez la maison 8 nous parle de sexualité, de transformation, pourquoi pas, cette semaine ça pourrait nous parler d'un coming out, ou que vous réalisez que vous aimez plus les femmes, ou que vous êtes attiré par les femmes au contraire, pourquoi pas, hein. Ça peut être aussi de nouvelles expériences, en plus ici, le mot-clé c'est l'ombre, les ombres. Donc les ombres, c'est pas forcément négatif, les ombres c'est ce qui est caché, hein. C'est ce qui est dans le noir qu'on ne perçoit pas ou dont on n'a pas forcément encore conscience. Hein, si vous prenez par exemple votre ombre, vous êtes habitué à la voir tous les jours, mais justement, vous êtes tellement habitué à la voir tous les jours que vous n'y prêtez plus aucune attention. Et va savoir, peut-être que dans votre ombre, il se cache peut-être des choses intéressantes dans lesquelles il faudrait peut-être creuser. Hein, surtout que n'oubliez pas que l'ombre, c'est ni plus ni moins la projection de vous-même, hein, et qui n'est pas altérée, qui est fidèle à vous-même, puisqu'elle suit tous vos gestes. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à creuser par rapport à ça, va savoir. Ensuite, on passe au discernement. Donc, le discernement, c'est l'art de pouvoir, eh bien, comme son nom l'indique, discerner, hein, tout simplement. Alors, on va avoir la valise, on va avoir le dé, on va avoir la toxicité, on va avoir une carte qui colle. Et on a le démon, formidable, formidable. Alors, le démon, rassurez-vous, elle fait peur, cette carte, je le conçois, mais ce n'est pas forcément une carte négative, c'est plutôt un avertissement. Parce qu'avec le discernement, ça peut ici nous parler de quelqu'un dans votre entourage qui serait mal intentionné ou qui aurait un pouvoir d'autorité qui abuserait de son autorité. Hein. Ça peut être par exemple un patron, ça peut être un matriarche de la famille, ça peut être un pervers narcissique, ça peut être une personne jalouse. Enfin, il peut y avoir monts et merveilles de personnes dont il faut se méfier. Hein.
Et là, très clairement, ici, ça nous parle de toxicité. Et on a la valise, hein, la valise qui veut bien dire cassez-vous et vite, hein. Donc, là, et qui est accompagnée avec le mot discernement. Donc, cette semaine, on va vous demander, vous imposer de faire appel à votre sens de discernement, justement, hein, discerner un peu le bien du mal, peser le pour, le contre, et vous rendre compte, tout simplement, aussi que, il y a une personne dans votre entourage, comme ça, qui a une mauvaise influence, qui cherche à vous dominer, qui cherche à vous posséder, qui cherche à vous soumettre à son contrôle. Très clairement, hein, ça peut faire penser à une personne déséquilibrée, instable psychologiquement, psychiatriquement, quelqu'un qui est mal dans sa peau, qui a un gros manque de confiance en soi et du coup qui impose ses avis. Ça peut être un ex, une ex. Et là, pour le coup, ça me fait penser à plein de personnes, dont une en particulière. Mais bon, on va pas épiloguer. Et là, on vous demande surtout de vous barrer, hein. C'est le message qui ressort, hein. Partez tout de suite, ayez cet esprit de discernement. Le dé ici, ça nous parle vraiment, ne laissez rien au hasard, ne laissez pas les choses, ne soyez pas, hein, ça nous parlait de fatalité. Justement, la fatalité, c'est le fait de, oh bah c'est comme ça devait se passer et puis c'est tout, j'accepte mon sort. Non, il faut pas confondre destin et fatalité. Le destin, ça vous amène à faire des choses qui vous sont propres, hein, qui vous sont attribuées sur votre chemin de vie. La fatalité, c'est, bah voilà, il arrive un malheur, bon bah j'ai pas le courage, j'affronte pas et puis j'accepte mon sort. Non, hein, c'est comme quand vous recevez, je sais pas, vous avez EDF qui vous envoie une facture de 1000 euros, vous allez pas payer bêtement, vous allez d'abord les contacter et dire mais pourquoi ils sortent d'où ces sous, hein, c'est ça. Que quelqu'un qui est fataliste, c'est oh là bah j'ai 1000 euros à payer, bah, je peux pas, bah, j'abandonne tout, je vends ma maison, je fais ceci, je fais cela. Non, ça c'est quelqu'un de fataliste, voilà, c'est quelqu'un qui ne va pas affronter les problèmes. Alors qu'on ne vous demande pas justement d'être fataliste, hein, d'accord? Et là, c'est pour vous dire, ne laissez rien au hasard. Si cette semaine, vous avez la révélation de cette personne, si vous faites appel à votre esprit de discernement et que vous révélez qui est cette personne négative dans votre entourage, partez, cassez-vous ou dégagez-la de votre vie, mais surtout, dégagez cette toxicité. Allez, maintenant, on passe à l'incompréhension. On a la carte du soleil, on a la maison, on a les chiens, enfin, le chien et le chat qui nous parlent ici de fidélité, d'amitié. Et on a... oh là là, on a la carte... On a la nouvelle page. Alors, cette carte-là, elle correspond aussi à la significatrice jaune dans le fantabuleux, d'accord, hein? On a le soleil, mais c'est aussi la nouvelle page ici. Donc, on a très clairement, hein, dans l'incompréhension, ça va sembler paradoxal, mais quand on fait du vide comme ça dans notre vie, quand on fait du ménage, on peut un petit peu être chamboulé parce qu'on se dit, comment je pourrais vous dire ça? En fait, on arrive à se... Comment je pourrais vous expliquer? C'est bien clair dans ma tête, mais il faut juste que je trouve les mots. Vous savez, des fois, on est tellement habitué à notre train de vie, on est tellement habitué aux mauvaises nouvelles, à notre quotidien, etc., etc., que quand notre vie change de façon radicale ou qu'on a des pistes de transformation radicale, eh ben, on est un petit peu perdu parce que ben, on sait pas comment faire, hein, on sait pas. Imagine, je vais prendre un exemple tout bête, ça vous fait rire. Imaginons que ça fait 30 ans que vous habillez en basket jogging. Vous savez pas être féminine, hein, ou ça peut être valable pour vous aussi, messieurs, hein, vous savez pas mettre en valeur votre masculinité, enfin, on s'en fiche, votre pouvoir de séduction, tout simplement. Donc imaginons que vous venez de passer 30 ans à vous habiller comme un sac. Excusez-moi. N'y voyez rien de personnel. Mais imaginons que ça fait 30 ans que voilà, vous avez passé votre vie à être un sac, et puis que du jour au lendemain, on vous offre par exemple un relooking, ou que vous-même vous faites un relooking, et que vous vous transformez en une bombasse genre Angelina Jolie, et ben vous allez vous dire, ouais, ok, bah, je suis belle aujourd'hui, mais comment on fait? Ça se passe comment? Enfin, vous voyez, vous pouvez avoir ce sentiment d'être perdu un petit peu, et ça peut créer une sorte d'incompréhension dans votre vie. Et bien là, ça nous parle de ça, justement. C'est-à-dire que... Ici, on a encore des reliquats d'énergie noire. On a cette personne ou ces personnes à dégager, hein. Là, on a clairement du mouvement entre le ballon et la valise. On vous fait très clairement comprendre. Partez!
Partez et vite, dégagez, dégagez ce qui est négatif de votre vie, dégagez tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous prend la tête, toutes les personnes qui vous apportent rien, dégagez-les de votre vie. Le problème, c'est que vous êtes un petit peu habitué comme ça à ces personnes, à ce train de vie, et ben là, ça nous parle de choses très positives, c'est-à-dire qu'on a le soleil, on a la page blanche, on a la maison, on a le foyer, la maison qui représente la famille, votre cocon, votre bulle, vous, enfin ça peut représenter plein de choses, et ici on a en plus les amis, donc là on a le cercle très intime. Et peut-être que l'incompréhension, elle peut être liée à cette personne-là. Hein. Peut-être que la personne démoniaque, hein, je pense qu'on peut la nommer comme ça. Si je prends par exemple pour mon cas, on pourrait parler de personne clairement démoniaque. Mais peut-être que cette personne ou ces personnes sont issues de votre bulle intime. Et ça va créer aussi cette incompréhension en se disant « Mais mince, je comprends pas, c'est une personne que je connais depuis des années, en qui j'avais confiance, etc. Je peux pas comprendre qu'elle ait fait ça. » Enfin, vous voyez, donc l'incompréhension, elle peut aussi venir de ça. Hein. Mais ça peut. Mais pour moi aussi, n'oubliez pas ce que je viens de vous dire, l'incompréhension sur le fait que des nouvelles choses puissent se mettre en place et comme on va être déstabilisé parce que c'est une partie de notre quotidien et de notre routine qui vont être brisées, qui va être brisée, pardon, une partie, c'est singulier. Donc du coup, ça peut créer aussi une incompréhension dans le sens, bah oui, bah maintenant, je fais quoi? Moi, j'étais habitué à cette personne-là, voilà, qu'est-ce que je fais maintenant? Allez, on passe maintenant à l'aveuglement. L'aveuglement, on a la bougie, ça commence super bien parce que l'aveuglement avec la bougie, très clairement, ça veut dire que cette semaine, vous allez recevoir la réponse qui va vous éclairer, qui va vous apporter, vous allez avoir la réponse, voilà, le truc qui vous fera comprendre que on a l'ascension, on a la porte qui nous parle ici d'opportunité et on a la réponse, oui, j'ai failli en tomber de ma chaise, c'était tellement positif l'énergie, excusez-moi. Alors, je viens de vous le dire, l'aveuglement avec la bougie, ici, ça nous parle soit d'obtenir la réponse que vous attendiez, et en plus de ça, on a le oui, on a l'ascension, on a la porte qui nous parle d'opportunité. Vous voyez, avant que je retourne le reste des cartes, je venais de vous le dire. Et comme d'habitude, hein, j'ai pas triché, je connais pas les cartes, je découvre en même temps que vous. Donc déjà, si vous aviez besoin d'une réponse à une question, on a un oui, on a un gros oui, un oui positif, hein, je vous le dis, je vous le redis souvent, ce n'est pas un oui punitif. Donc si vous aviez besoin d'un oui ou d'un non, hein, imaginons, moi je sais pas, que vous posez des questions sur votre couple, vous dites est-ce qu'il va me quitter, et que dans votre cœur vous espérez que la réponse soit non, vous le prenez comme un non, d'accord? C'est un oui rassurant, c'est un oui positif, c'est pas un oui qui vous dit oui il va t'abandonner. Non, c'est pas, du coup, si la réponse que vous attendez c'est pas celle-là, vous le prenez dans l'autre sens. C'est une réponse rassurante et positive, d'accord? On va dire, ne tenez pas compte du oui, hein, sauf si vous aviez une question très précise ou qui nécessite un oui. Bref, vous m'avez compris, on va pas épiloguer trois quarts d'heure sur le oui. Vous m'avez compris. Donc ici, avec l'aveuglement, eh bien, c'est très clair, hein, justement. C'est que cette semaine, vous allez avoir soit une réponse qui va être très claire, très nette, très franche. Vous allez savoir que soit ça va vous confirmer, parce qu'on est en diagonale là. Donc soit ça va vous confirmer que oui, c'était bien la personne que vous suspectiez, qui vous faisait toutes ces vacheries et compagnie dans votre vie. Ou oui, pour une autre réponse. Ou oui, vous avez pris une bonne décision de vous débarrasser de cette personne. Ou oui, vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie. Enfin, voilà. Vous voyez, c'est pour moi là, c'est une réponse, vraiment une réponse que vous attendiez et vous allez la voir cette semaine. C'est merveilleux les amis, avec Noël en plus, on ne pouvait pas rêver de mieux. Allez, on va regarder nos petites prédictions. La victoire est garantie. Bon, est-ce que vous avez besoin que je vous interprète la carte? Non, je pense qu'il n'y en a pas besoin. Hein. La victoire est garantie avec le oui, l'élévation, la bougie, l'opportunité. Hein. Clairement, ici, ça nous parle d'avoir victoire sur quelque chose. Nous allons avoir une rupture certaine. Oh, comme c'est étonnant, hein, c'est bizarre quand même, c'est dans la continuité quand même. Hein. Quelqu'un qui est toxique, quelque chose qui est toxique, et une rupture qui est certaine. C'est fou, hein, franchement. C'est incroyable les cartes, comme elles sont cohérentes. Des démarches légales à réaliser. Ah, mais ça, je vous l'ai dit avec la tour. Hein. La tour, c'est l'énergie maîtresse. Je vous l'ai dit que ça pouvait symboliser des bâtiments aussi administratifs. Donc peut-être que cette semaine, vous serez amené à faire des démarches légales. Hein. Ça peut être plein de choses. Ça peut être des papiers, ça peut être un contrat à signer, votre acte de divorce aussi à signer. J'en sais rien, ça peut être plein de choses. Hein. Mais j'ai envie de dire, ça peut être logique aussi, parce que si les démarches légales sont en lien avec la rupture, imaginons que cette semaine, votre divorce soit prononcé,
Ben voilà, peut-être qu'il y aura des choses à faire, à mettre en place. Enfin, ça peut être une suite logique, une conséquence, comme ça peut être deux choses différentes, hein. Peut-être que là, c'est simplement la rupture avec la personne négative et que les démarches légales, c'est autre chose. Ça concerne peut-être votre foyer par rapport à ce que je vous ai dit là. Peut-être, hein, peut-être. Et enfin, on a un petit coup de chance. Oui, et ben là aussi, c'est logique, j'ai envie de vous dire, puisque ici, nous avions le destin, nous avons la magie, nous avons la confiance totale, nous avons la présence de l'oracle. Donc, vous avez plein de signes sur cette semaine pour vous dire que la magie est avec vous, les guides sont avec vous, les anges sont avec vous. Donc, automatiquement, vous allez bénéficier, hein, comme ça, d'un petit coup de chance pour vous dire, on est avec toi, on te soutient, on te protège, on va faire changer la situation, on va faire la justice, on va rétablir la justice aussi, et ne t'inquiète pas. Et du coup, ça va, vous allez avoir un petit boost. Mais attention, hein, comme je l'ai dit, la magie répond qu'à ceux qui sont sincères et qui sont honnêtes. Les personnes malveillantes, méchantes et compagnie, malheureusement, c'est la punition aussi qui les attend, hein. Donc, il faut y mettre, chacun y mettra sa situation personnelle, d'accord? Parce que autant ça peut être un tirage très positif si vous êtes dans un cas de sincérité absolue, de bienveillance, de bonté, etc. Si par contre vous avez un karma assez sale et que vous n'êtes pas apte à vous regarder dans un miroir, le tirage peut vous montrer votre future sentence, hein, qui va tomber. Hein. Allez, maintenant, on passe aux énergies d'amour. Écoutez, on a un tirage qui est super beau, super fluide, super limpide. Le message est hyper clair. En plus, je dors bien depuis plusieurs nuits. Je suis vachement reboosté. Donc, vous avez vu comme ça dépote là. Hein, vous le sentez, le professionnel. Allez, on passe ici là à gauche. On passe pour les célibataires. Donc célibataire, hop, on va remettre dans l'ordre. Célibataire, regardez un petit peu, ça nous parle ici de l'échelle de la dame du serpent. Alors l'échelle, ça peut nous parler d'ascension, hein, quelque chose qui va monter, qui va grimper, c'est logique ici, puisqu'on a eu la carte de l'ascension, donc quelque chose qui monte comme ça. On a un lien avec une femme. Alors avec le serpent, peut-être qu'aujourd'hui, cette semaine, ça peut nous parler d'une tentatrice, hein, peut-être pour les célibataires. Peut-être que cette semaine, vous allez avoir quelqu'un comme ça. Alors la dame peut vous représenter vous, hein, même si vous êtes un homme, on s'en fiche, mais ça peut être la carte du consultant ou de la consultante, comme ça peut vraiment être une figure, hein, auquel cas, du coup, ça pourrait être une femme, ça peut être une mère, une grand-mère, une cousine, une sœur, une amie, une maîtresse, peu importe, hein. Mais bon, comme là, on est quand même plus branché célibataire, on est plus sur le côté amoureux, vraiment, que le côté ami-famille. Mais bon, gardez-le en tête, quand même, au cas où. Mais voilà, cette semaine, ça peut, pourquoi pas, nous parler d'une femme, d'une tentatrice, hein, de quelqu'un qui va tenter de vous séduire ou de vous manipuler, ou quelqu'un qui détient un certain savoir, une certaine connaissance. Et par son savoir et sa connaissance, elle vous fait un petit peu comme ça, influencé, manipulable. Ça peut être ici, hein, ça peut être cette personne-là, hein, ne l'oubliez pas. Allez, pour la réponse, ici on vous dit nul. Oh là, je suis désolé, on a un reflet, vous voyez pas, la carte est très claire. La réponse est nul besoin de s'inquiéter. Donc ici on vous dit ne vous inquiétez pas, hein, laissez faire les choses. De toute façon, la vie va s'en charger, le destin va s'en charger, le destin est en marche, hein, c'est les runes, ici la purification, le destin, la fatalité. Les choses sont en marche, les choses vont se faire. Donc, peu importe ce qu'on vous fera subir cette semaine, il va y avoir un retour de bâton important, il va y avoir un boomerang qui va revenir. Nul besoin de s'inquiéter. Voilà, mes chers amis. Alors, je suis désolé, hein, ça nous parle pas de rencontre pour cette semaine. C'est peut-être pas le bon moment, je sais pas. Ou peut-être qu'il y a peut-être des choses d'abord à régler. Mais voilà, en tout cas, pas. Après, ça ne vous empêche pas, vous pouvez très bien faire une rencontre, hein. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Mais voilà, les énergies sont plus propres à, je sais pas, cette espèce de tentation. Allez, pour les couples, hop, on remet dans l'ordre. Les couples, ça nous parle de cœur brisé, l'araignée, les écrits. Alors heureusement, on a l'araignée ici et j'aime beaucoup l'interprétation que Massoso en fait. C'est-à-dire que pour elle, elle y voit l'araignée du soir espoir. En plus, ça tombe bien, au moment où je fais le tirage, il est 4h30. Il fait quasiment nuit dehors. Donc je considère que c'est l'araignée du soir espoir. Et du coup, ça pourrait nous parler d'espoir. Attention, ça pourrait aussi nous parler de piège, hein, on va quand même pas oublier la signification. Donc attention pour vous les couples cette semaine, avec le cœur brisé, peut-être que. J'ai envie de dire, c'est logique aussi, parce qu'on a le démon ici, on a la manipulation, on a des choses quand même qui sont un petit peu négatives, donc il faut se méfier, hein, si jamais on vous fait un coup en traître cette semaine. Donc il peut y avoir cette sensation comme ça de trahison, de cœur brisé, hein, voilà. Après.
Donc ça, c'est pour l'aspect négatif. Mais si on prend l'aspect positif, regardez ce cœur. Certes, ce cœur, il est brisé. Regardez à quoi il ressemble. Il est en piteux état, ce pauvre cœur, quand même. Il a des pansements, des points de suture. Il est quand même en piteux état. Mais il est toujours vivant. Et ça, c'est important, gardez-le bien en tête, mes chers amis, ce message. Ce cœur est toujours vivant. Donc ça veut nous dire, peu importe ce que vous vivrez cette semaine, si vous vivez quelque chose qui vous fait mal, ça peut être un deuil à faire, une perte, n'importe quoi, une séparation, n'importe quoi, une trahison, tout ce que vous voulez. Peu importe ce que vous vivrez, mais comme le vieil adage dit, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et bien là, c'est le même principe, c'est-à-dire que tant que votre cœur continue à battre, on s'en fiche de savoir qu'il est en 10 millions de morceaux, tant qu'il continue à battre, il faut continuer de vous battre aussi. Et puis les écrits, eh bien, ça nous parle ici de choses légales, hein, peut-être de papier, de choses officielles, mais là encore, c'est logique, puisqu'on a ici les démarches légales à réaliser. Donc, on a cette cohérence à nouveau dans le tirage, hein. Apparemment, ça viserait peut-être plus les couples, les démarches légales, hein. Peut-être qu'il y a des choses à faire, des papiers à faire, des papiers à remplir, de... Oh, c'est pas forcément des papiers importants, hein. Enfin, importants, je me comprends. Mais ça peut être par exemple, moi je sais pas, moi un crédit que vous avez contracté ensemble, parce que tout à l'heure je vous parlais de signature de divorce et compagnie. Non, mais pas tous les couples vont divorcer quand même cette semaine, ça serait quand même moche. Puis alors, moi je suis dans le caca du coup. Hein. Mais ça peut être, non, ça peut être un contrat pour un crédit que vous avez pris, pour je sais pas quoi, moi. J'en sais rien, moi, un abonnement à la salle de sport, enfin, vous voyez, ça peut être des choses positives aussi, mais c'est quand même des démarches à réaliser. Et ici, on a le nom, un nom. Alors, un nom, regardez, je vais essayer de vous montrer la réponse, voilà. Je sais pas si vous voyez, on n'a pas de point ni de point d'exclamation. Donc ça veut dire que c'est un nom, mais c'est un nom qui est très doux. C'est pas un nom ferme, c'est pas un nom brutal, c'est pas un nom définitif. C'est juste un nom. C'est-à-dire non, c'est pas pour cette semaine, c'est pas le bon moment, ou laisse faire, laisse couler, te prends pas la tête. Voilà, c'est un nom qui est rassurant. C'est pas un nom. Alors c'est marrant parce que d'un côté on a un oui, donc mais ça c'est un oui qui est important, hein, entre le soleil et tout ça. Donc ça c'est un oui qui va entraîner une victoire. Mais là, par rapport à une situation de couple, on vous dit un non. Voilà. Mais c'est un non rassurant, c'est pas un non qui est là pour vous punir ou quoi que ce soit. Voilà donc mes chers amis pour notre tirage. On fait une très courte pause puisque maintenant on va faire les petites réponses et puis voilà, on va changer d'angle. Allez les amis, donc on se retrouve pour nos réponses à nos questions fermées. Vous connaissez le principe, mais oh, on a le roi de cœur qui vient de sortir. On a déjà un oui. Ah, va savoir, peut-être qu'il va sortir du coup, hein, parce qu'on a quand même le oui ici dans le tirage. On a le roi de cœur qui vient de sortir là, ça fait quand même deux oui. Hein. Peut-être un signe. Hein. Donc, je vais abattre 13 cartes. Si dans les 13 premières cartes, on a l'échec et mat qui ressort, qui est loin. Elles le font exprès, toujours se mettre à la fin. Donc si on a l'échec et mat ici, là, qui sort dans les 13 premières cartes, ce sera un non. Si on a le roi de cœur qui sort, ce sera un oui. Et si aucune des deux sort, alors ce sera un peut-être ou ce n'est pas pour cette semaine-là, tout simplement. Ou peut-être que vous avez déjà la réponse aussi, hein. Ça, n'oubliez pas ça. Ça peut aussi être le fait d'avoir déjà la réponse. Allez, 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 allez. On mélange bien. Vous pensez très fort à votre question. Vous pouvez la poser à haute voix ou dans votre tête. C'est comme vous voulez, les amis. Sauf si vous avez déjà eu la réponse dans le tirage. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Allez, vous êtes prêts? On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Le roi de cœur est sorti, les amis. C'est donc un oui. Un oui. Un oui positif. Un oui rassurant. Allez, je vous l'avais dit que ce serait un oui, on a eu un oui dans le tirage, on a le roi de cœur qui était sorti, c'était un petit peu obligé et cohérent que ce soit un oui. Allez, je vous propose une seconde question, si vous en avez une, si vous n'en avez pas, bah, vous attendez qu'on finisse. On y va avec les pièces de fortune. Même principe, vous pensez très fort à votre question, vous la posez dans votre tête ou à haute voix, c'est comme vous voulez, et on y va. Hop, j'ai pas triché, hein, je vous jure, j'ai pas triché. C'est un non pour le premier. On a un non pour la deuxième.
Et on a un oui pour la dernière. Alors du coup, on a deux noms pour un oui. Ça veut dire que c'est plutôt non, mais c'est pas un non ferme et définitif. À mon avis, c'est le même principe que la carte hein, que je viens de vous sortir avec ce non. C'est-à-dire que c'est un non, voilà, c'est pas un non méchant, c'est pas un non ferme, c'est pas un non définitif. C'est non, peut-être pas pour cette semaine, tout simplement. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste sur cet angle pour se faire le petit rituel? Hein? Ouais, je pense qu'on va rester... allez, on va rester sur cet angle. On n'est pas trop mal. En plus, j'ai rangé, du coup, il y a un petit peu de place. Allez, on y va, donc, pour notre petit rituel de la semaine. Donc, avec le petit oracle grimoire de ma belle Eve Corrigan. Oh, c'est marrant, alors attendez, on a une carte qui vient de se retourner. C'est la carte du saphir qui nous parle de chance. Saphir, éclat profond et scintillant. Dévoile-moi tes multiples facettes, que je sache te reconnaître maintenant. Et de tes coups d'aubaine révélés, crée ma destinée. C'est marrant, ça nous parle encore de destinée. C'était les runes de cette semaine. Gardez en tête le saphir, gardez-le en tête. Allez, vous êtes prêts? Hop, on va se remettre les cartes dans la petite boîte. Et on y va, tac, celle-ci. Et ce sera le violet qui nous parle de spiritualité. Souffle éternel, je découvre l'essentiel. Sans influence matérielle, guidé par tes lois, animé par la foi, j'arpente mon chemin, crée mon destin. Je suis le magicien respectueux du vivant et des cieux. Oh là là, il est beau le message, regardez ça, je vais vous approcher la carte. Le message est magnifique. Si tu veux bien me faire le focus, oui, non, merde, non, c'est comme tu veux. Non, t'as pas envie, c'est pas grave. C'est marrant, ça nous parle encore une fois de destin, ça nous parle de magie. Hein, ça reprend vraiment tous les codes des runes de cette semaine-là. Donc, je pense que c'est pas anodin. Hein. Cette semaine, on va être face au destin. Un destin qui peut être façonné, un destin qui peut être... comment pour dire... malé. Je sais pas si ça se dit. Oui, malléable, mallé. Allez, on finit avec la petite baguette chinoise. Hop. Bon, celle-là, elle compte pas. Elle compte pas, elle compte pas. Allez, on y va. Hop là, et on a la numéro 9 qui vient de sortir. Et regardons la 9, ce qu'elle nous dit. Alors, la 9, ici la pleine lune représente l'espoir pour l'avenir. Bien que la situation puisse paraître confuse pour l'instant, si vous suivez votre conscience, tout deviendra clair. Il vous faut faire une nette distinction dans votre vie entre le bon et le mauvais. Oh, c'est marrant, ça vous rappelle rien la distinction, hein? Ce serait pas un synonyme de discernement? Et je vous l'avais pas dit de discerner entre le bien et le mauvais pour cette semaine? Si vous y parvenez, ce sera une bonne période pour vous. Votre nouvelle clarté, synonyme la bougie, celle qu'on vient de tirer. Votre nouvelle clarté mentale vous sera bénéfique à la fois dans votre vie personnelle et dans vos affaires. Vos relations avec votre famille et notamment avec vos parents s'améliorera. Eh bien écoutez les amis, encore une fois, les baguettes résument absolument tout ce que je viens de vous dire. C'est magnifique, c'est magique, il n'y a rien à dire d'autre, hein, tout simplement. Allez mes chers amis, ne quittez pas puisque on fait une très courte pause, puisque maintenant on passe à l'astrochance de la semaine. Allez, on se retrouve pour notre astrochance de la semaine. Vous connaissez tous le principe, mais je vais quand même le rappeler pour les nouveaux. Donc l'astrochance, on va utiliser l'art de la kibomancie, donc qui est l'art divinatoire avec les dés. Je vais utiliser deux sets de dés. Le premier, c'est un avec des chiffres classiques. Vous allez avoir plus 1, plus 3, plus 5, plus 6, etc. sur les 6 faces des dés pour un score total de 24 points. Et je vais utiliser un set de 4 autres dés. Alors vous n'allez pas voir, je suis désolé, je voulais vous rajouter de la lumière. Je trouvais que c'était un petit peu sombre. Avec des moins, des plus sur les faces et des faces neutres qui vont venir additionner, au contraire soustraire des points pour augmenter un petit peu votre taux de chance.
Attention, je vous le dis très souvent, l'astrochance, c'est pas ce qui va définir si oui ou non, faut que vous restiez couché sous la couette toute la semaine, hein. Non, c'est juste pour vous dire si oui ou non, les énergies sont favorables selon votre signe astrologique. Si l'énergie est favorable cette semaine pour entamer telle ou telle démarche, pour réaliser tel ou tel projet, etc. D'accord? Mais en aucun cas, ça doit limiter vos actions, votre vie et vos prises de décision. Allez, on y va tout de suite avec les béliers. Les béliers, on va avoir 4 et 4, 8 et 2, 10 et 1, 11. 11, on a un moins, ça nous porte à 10 et on a 2 plus, ça nous porte à 12. Donc 12 sur 24, les béliers, bah écoutez, c'est pas mal, hein, c'est une chance moyenne, c'est une chance relative. Ça veut dire que cette semaine, c'est quitte ou double. Si ça doit se faire, eh bien ça devait se faire. Si ça ne se fera pas, sans conséquence, ça ne devait pas se faire. C'était pas le bon moment. Allez, les taureaux. Les taureaux, on a 6 et 4, 10 et 4, 14 et 3, 17. Ouh, c'est joli ça. 17, on a un moins, ça nous fait 16, on a 2 plus, ça nous fait 18. Les taureaux, 18, très jolie chance cette semaine, profitez-en. C'est-à-dire que cette semaine, les énergies sont propices pour vous, les animaux. Les amis taureaux, je voulais dire amis et taureaux, ça a donné les animaux. Donc les amis taureaux, c'est une semaine propice si vous avez envie de vous lancer un petit peu dans de nouvelles aventures, dans de nouveaux périples, dans de nouveaux projets. Hein, la chance sera à vos côtés si vous souhaitez entamer quelque chose de nouveau. Allez les gémeaux. Les Gémeaux, on a 5 et 4, 9 et 2, 11 et 3, 14, 14, on a un moins, ça nous fait plus que 13, on a 3 plus, ça nous fait 16 au total. Les Gémeaux, comme les Taureaux, jolie chance, hein, vous êtes à 2 points de différence, c'est pas énormissime, c'est aussi une jolie chance. Donc les Gémeaux, si vous avez envie cette semaine, hein, les énergies sont là pour vous dire, tu peux y aller, t'as notre accord, c'est propice, c'est favorable, tu auras une réponse positive ou tu auras un soutien de notre part si tu veux entamer quelque chose de nouveau dans ta vie, fonce! Les cancers. Les cancers, 6 et 3, 9 et 2, 11 et 2, 13, 13, 13, 13, on a 2 plus, ça nous fait 15. Eh bien, les cancers, c'est joli aussi, c'est comme les gémeaux, hein. Une jolie chance pour vous dire que les énergies sont propices aussi pour vous, c'est favorable si vous avez envie de vous lancer dans de nouvelles choses, c'est le moment de le faire, hein. Ça devrait porter ses fruits, ayez confiance et osez le faire. Les lions. Les lions, les lions, les lions, oh les lions, mais qu'est-ce que vous me faites les lions en ce moment? Alors la semaine dernière c'était pas ultra top, et puis cette semaine, bon c'est un peu mieux, mais c'est pas terrible non plus. Alors 3 et 3, 6 et 2, 8, 8, heureusement vous avez 2 plus, hein, ça sauve un petit peu la mise, hein. Du coup ça porte à 11 points, c'est pas folichon, folichon, hein, c'est quand même en dessous de la moyenne, mais c'est mieux que la semaine dernière quand même les lions. Les lions, c'est logique là encore, hein. Rappelez-vous, la semaine dernière vous avez un taux de chance quand même qui était assez bas, voire catastrophique, hein, puisque je crois que vous aviez fait 4 points, il me semble. Donc c'est mieux, déjà c'est mieux que la semaine dernière, mais vous êtes encore dans ces énergies résiduelles pour vous dire, il y a du mieux, mais vas-y doucement quand même, hein. C'est-à-dire c'est pas complètement favorable encore, c'est pas tout à fait le bon moment, ça manque un petit peu de maturité, prends ton temps, fais les choses comme il faut, ne te précipite pas, ne voilà, ça presse pas, attends un petit peu, hein. Et c'est encore le conseil de cette semaine, c'est mieux que la semaine dernière, mais voilà, on y va mollo mollo les lions. Les vierges. Les vierges, on a 6, alors attendez, 3 et 3, 6 et 6, 12, 12 et 1, 13. On a un moins, on a un plus, ça porte à 13. Les vierges, eh bien écoutez, c'est une petite chance, mais quand même qui est au-dessus de la moyenne. Donc pour vous dire que bah, cette semaine, c'est pas la folie complète, hein, l'effervescence, mais quand même, si vous avez envie, hein, c'est, je sais plus, je crois que c'est les béliers. Oui, c'était les béliers qui avaient fait 12. C'est un peu le même principe que pour les béliers, c'est-à-dire que c'est un peu quitte ou double. Si les choses doivent se faire, elles se feront par elles-mêmes. Si elles ne doivent pas se faire, eh bien, il n'y aura pas de conséquences, simplement que ce n'est pas le bon moment et que ça ne devait pas se faire, tout simplement. Les balances. Les balances, on a 6 et 5, 11 et 2, 13 et 2, et 2 et 2, 14, et on a un moins. Ah, c'est dommage, du coup, ça porte à 13. Mais ça reste quand même une petite chance, hein. C'est exactement comme les béliers et les vierges, je ne savais même plus, enfin, je perds la tête, moi, d'une carte à une autre. Et les vierges, donc c'est pareil, c'est quitte ou double pour cette semaine, c'est pas défavorable, c'est pas ultra, ultra favorable, mais voilà, si ça se fait, ça doit se faire. Ça se fait pas, n'ayez pas de regrets.
après, ça ne devait pas se faire, ou c'est pas le bon moment, ou faut attendre encore un petit peu, tout simplement. Les scorpions. Les scorpions, on a 4 et 3, 7 et 2, 9 et 2, 11, et on a 2 moins, et ça fait flic parce que ça fait 9. On a un plus, ça fait 10. Du coup, les scorpions, vous êtes en dessous de la moyenne. Ah, vous êtes même en dessous des lions. Donc, du coup, scorpions, tranquille, tranquille cette semaine. Hein. La chance, c'est plutôt défavorable. C'est-à-dire que si vous aviez une idée en tête ou si vous vouliez faire quelque chose, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas la bonne semaine. Hein. Au contraire, profitez de ce que vous avez. Hein. C'est-à-dire que, voilà, tranquille cette semaine. On laisse passer les énergies, c'est pas mauvais non plus en soi, mais ne tentez pas le diable, hein. Surtout qu'il est sorti dans le tirage. Donc voilà, vous laissez passer le truc, vous attendez un petit peu, soit ça manque de maturité, soit c'est pas le bon moment, soit c'est vous qui êtes pas prêt, mais ne précipitez rien et laissez passer tranquille la semaine. Les Sagittaires. Les Sagittaires, 3 et 3, 6, et 6, 12, et 2, 14, on a 2 moins, on a 2 plus, et ben ça fait 14 pile poil. Allez les amis Sagittaires, et ben c'est un petit peu mieux que la moyenne, mais c'est quand même un peu le même conseil qui va ressortir pour les 3 signes, hein. C'était Bélier, Gémeaux et je sais plus l'autre... Balance, je crois. Donc, même conseil, même principe. Hein, si les choses doivent se faire, elles se réaliseront. Si elles ne se font pas, n'ayez pas de regrets. Mais quand même, vous avez 14 sur 12. C'est quand même un petit peu plus que la moyenne. Donc, peut-être que si cette semaine, vous avez une opportunité ou quelque chose qui se présente à vous, c'est que ça vous a été envoyé. Donc, saisissez cette opportunité-là. Peut-être qu'elle ne se représentera pas. Hein, donc, saisissez ce qui se présente à vous pour cette semaine. Les Capricornes. Les Capricornes, 6 et 4, 10 et 2, 12 et 1, 13, 13, on a un moins, ça fait 12, et on a 3 plus, ce qui nous fait 16, les Capricornes, c'est une jolie chance pour vous les Capricornes. Et ben les Capricornes, profitez de cette semaine, les choses sont plutôt favorables pour vous. Vous serez accompagnés, vous serez guidés, vous serez aidés, vous serez soutenus dans vos démarches. Donc si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose ou si vous êtes dans un cycle où on va vous demander, où vous allez être sollicité, eh bien n'ayez pas peur, vous serez guidés, vous serez accompagnés par la chance et vous aurez peut-être, je sais pas, un petit quelque chose de providentiel ou quelque chose qui se présentera à vous qui va peut-être inverser la situation en votre faveur. Les Verseaux. Les Verseaux, 6 et 4, 10 et 3, 13 et 1, 14. Ah, c'est dommage, on a un moins, ça porte à 13. Ça va, ça reste quand même une jolie petite chance. C'est un petit peu plus que la moyenne. Mais voilà, même principe, même conseil que pour les 4 signes qui étaient à peu près dans la moyenne. Mea culpa, si les choses se font, elles se font. Si elles se font pas, ne forcez pas, ne vous précipitez pas, ne vous prenez pas la tête, c'est pas non plus la peine. Vous le sentirez de façon. Si vous sentez que la voie est libre, vous pouvez y aller, faites-le. Si vous sentez qu'il y a une certaine résistance ou une certaine réticence, eh bien, ne forcez pas les choses. Attendez patiemment, hein, et puis on verra pour la semaine prochaine. Et enfin, les Poissons. Les Poissons, grand vainqueur de la semaine ou pas? Parce que c'était pas terrible la semaine dernière hein, pour nous. Hein. Alors, 6 et 6, 12 et 2, 14 et 1, 15, on a 2 moins, ça fait 13, on a 1 plus, ça fait 14. Bon, eh ben les Poissons, c'est un petit peu... Non, comment on avait fait la semaine dernière? Je crois qu'on avait fait 11. 10 ou 11, je sais plus. Bon, c'est un chouïa mieux que la semaine dernière, mais c'est pas non plus ultra folichon. Même conseil, je me répète, je pète et je répète, mais même conseil que pour les 5 signes précédents. Pareil, mea culpa, si les choses elles se font, c'est bien, si elles se font pas, on ne force pas, on laisse passer les choses, on y va tranquille, vivez l'instant présent, vivez sans vous soucier des choses, on vous dit oui, c'est très bien, on vous dit non, c'est pas grave, c'est pas pour le moment, ça se fera à un autre moment, et puis voilà. Pareil, on verra la semaine prochaine. Voilà mes chers amis pour cette astrochance. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, mes chers amis. Merci de l'avoir suivi. Merci d'être chaque fois plus nombreux. Hein. Je vous en remercie à chaque fois, mais c'est quand même bien de le notifier. J'espère sincèrement que cette semaine sera très bonne pour vous. Comme vous avez pu le voir, on a des énergies qui sont très fortes, mais qui sont très positives. On va être, je pense, bien sollicité, mais c'est pour notre bien. Hein. Exactement comme des parents qui pourraient, par exemple, nous punir. C'est toujours pour une bonne raison. Ou quand on nous dit non, c'est pour une bonne raison. C'est qu'il y a quelque chose derrière.
Profitez tous et toutes de votre semaine, je vous en prie, fêtez Noël, même si c'est compliqué, même si c'est une fête avec laquelle vous avez des griefs, des différends. J'en ai aussi, croyez-moi, Noël n'a pas, ça n'a jamais été une bonne période. Mais voilà, ça ne doit en rien gâcher la magie de Noël, parce que la magie de Noël, avant tout, c'est la lumière, c'est le partage, c'est l'amour, c'est tout ça. Que vous soyez seul, que vous soyez accompagné, on s'en fiche. Vivez cet instant magique, la vie est assez triste. Elle est assez terne, elle est assez grise. Noël, c'est le seul moment dans l'année où on peut avoir un petit peu de couleur, on peut avoir un peu de magie. C'est le seul moment où le Père Noël, il est là, où tout le monde s'aime, enfin, où tout le monde est censé s'aimer. Malheureusement, c'est en théorie, c'est comme ça sur le papier, mais c'est pas comme ça en pratique, je sais. Mais voilà, essayez un maximum de véhiculer cette lumière, faites entrer aussi la lumière dans votre vie, acceptez-la, acceptez que la vie aussi puisse vous modeler pour vous faire comprendre qu'il y a des choses qu'il faut abandonner et d'autres qu'il faut accepter dans votre vie. Et puis voilà. Allez, moi je vous embrasse tous très très fort, je vous souhaite encore une fois de passer un très 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 bon joyeux Noël, même si j'aurai l'occasion de vous le redire avant, hein, vous inquiétez pas. Et je vous souhaite de passer encore une fois une très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles énergies. Gros bisous à tous!